Depuis le 19 août et ce jusqu'au 27 se tiennent les championnats du monde d'athlétisme à Budapest, en Hongrie. L'occasion pour Maryse Ouangépé, ancienne athlète et détentrice du record de France du saut en hauteur de 1983 à 2007, de rejoindre l'équipe des consultants de France Télévisions sur France 3. Un retour dans les médias qui ravit l'ancienne championne. C'était inattendu car j'étais dans une phase où je me demandais si j'allais rester dans les médias ou pas. Et si est-il un gros défi à moins d'un an des Jeux Olympiques? Cela fait 6 ou 7 ans que je n'avais pas fait de télévision et si est-il un exercice différent de la radio, qui impliquait un temps de parole extrêmement long. Là, il faut être très concentré, s'exprimer à bon escient et laisser de la place à l'image, explique Maryse Ouangépé à Téléstar. Pour l'instant, difficile de savoir si la collaboration perdurera après l'été ou s'il s'agit d'un exercice ponctuel, mais une chose est sûre, l'ancienne athlète profite allègrement de son retour à l'écran après une période plutôt difficile. Maryse Ouangépé, cette période où elle s'écroulait régulièrement en effet, l'année dernière, Maryse Ouangépé a souffert d'une blessure qui l'a beaucoup impacté physiquement et moralement. Au sens propre comme au figuré, je ne tiens pas debout, avec une double rupture des aponévroses plantaires. Je surchauffe, avec une tension de cheval dopé. Et je m'écroule régulièrement depuis des mois, entre envie d'île déserte et de cuite à beaucoup de degrés, confiait l'ancienne recordwoman en octobre 2022 sur Instagram. Elle avait ajouté, « Mon corps a toujours été insupportablement indépendant et quand ma tête va mal, il traduit très précisément en douleur, en pathologie parfaitement vérifiée par IRM, radio et autres analyses. Mais il ne me trompe pas. Je sais qu'il traduit juste mon mal-être. » Un épisode fâcheux qui, on l'espère, est bel et bien derrière elle.